Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur The Last Spell. Salut Canton, bienvenue sur le live. Toc toc, c'est la fin, lui dis-tu. Non, nous avons survécu à la nuit 7, qui était, je pense, une des nuits un petit peu énervées du jeu. Là, on va être sur une nuit, on voit sur la droite, un peu plus classique. Bon, il y a les archers qui sont chiants, mais on devrait pouvoir les gérer. On est quand même 5 héros désormais. On avait pas mal de niveaux à faire, une montagne d'objets à récupérer. On va tout de suite aller voir ce qu'on nous propose dedans. Alors. Ouh, une belle épée à deux mains plus 5. 5, la vache. Ça commence à jouer là. Hein. Coucou Canton. Chobiti dit coucou. Je pense que la réduction de bruit est meilleure là que sur Discord. Mais il a dû t'entendre quand même. Alors t'en as combien de kills, Canton? Normalement, on a le détail là. Coup le plus puissant, 552. 133 coups critiques. Victime, 287. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ah, c'est cool quand on bouge, ça reste sur la jauge. 204 pour Chobiti. 77 pour Squash et pour Damned, 46 et des piou-piou. Et John, 180. Donc pour l'instant, c'est toi qui as le plus de victimes. Tu l'avais pas du tout entendu, cherche de nouvelles oreilles. Bon, apparemment t'as crié un peu fort. Alors du coup, on a une épée à deux mains. Pourquoi pas? Sinon on a du casque. Mais bon, vert, pas ouf. Ok, ici l'épée à deux mains paraît pas mal. La boutique de magie, qu'est-ce qu'elle nous donne? Ok, des orbes magiques. Est-ce que c'est mieux que ce qu'on a? Chobiti, elle a des tomes. Alors ça fait quoi l'orbe magique? 7 de portée. Un bonus d'isolation de 175. Par contre, moins 15 de vie flat quand on l'équipe. 15 de vie plus 25 de vie. 15 de vie plus 8 de régène. Là, on a un tome des secrets qui nous donne quand même 2 de mouvement. Ça me paraît pas ouf. Est-ce que éventuellement ça pourrait aller à Damned? La sphère putride, c'est 2-9. Grosse zone de poison. Et le rayon de la mort. Ouais. Ça pourrait être pas mal qu'il ait une deuxième arme magique, mais est-ce que ça vaut le coup de sacrifier ça? Je ne sais pas. Là, la régène de vie, ça représente de l'armure en plus, hein, donc pourquoi pas. Perdre un petit peu de vie. Ouais, les deux verres sont à 8 pièces, donc c'est kiff kiff. Ok, on a plein de trucs à regarder, donc on va y aller. Donc là, bon, ça, c'est de la merde. Ici, on a un bibelot. Mouvement plus 5, qui nous donne cours, moins 1 de portée de compétence, encore des dégâts de propagation. Pourquoi pas. Ici, on a une hache plus 3. Le retour de la hache. Ou alors une botte du porc épique, puissance critique, 28 d'armure, ah le moins 2 de régène de mana qui fait chier quand même. Ça c'est 21, on prendra peut-être l'âge pour la vendre. Ah, on a un arc long, tir à longue distance, 15 de portée l'arc long. Ça, ouais, ça fait plaisir, ça pourrait être peut-être une deuxième arme intéressante pour John. Je crois que le bonus de poison il est plus très intéressant. Le moins 10% de fiabilité fait chier, mais bon, les dégâts. Vigilance. Vigilance, ça booste l'esquive. Ok. Tir de précision, 16 de portée et pas d'esquive. Et ça fait 314 de dégâts. Ouf. Et explosion de glace, 60% de chance d'étourdir. Ouais, ça pourrait être pas mal ça. Tiens, bah d'ailleurs, on va le prendre tout de suite. Ça, on avait déjà vu. Bon, cette façon, on va prendre ça, il y a que ça d'intéressant. Ici, on va prendre la hache, on a dit, on va probablement la vendre. Ah, on a accompli un haut fait. Ici, on a une armure. C'est le seul objet vert, donc on va le prendre, on verra si c'est utile. Cristal de sang, 70 de vie, 6% de dégâts magiques, 25 de vie. Ouh, ça serait très très bon pour Damned, là. Pour tanker un peu. Un homme, 28 d'armure, 6 de dégâts magiques,
ça aussi, ce serait pas mal hein, pour lui. De l'armure, des dégâts magiques. Ouais, c'est très bon pour Damned également. Ici, on avait que de la merde, donc on va prendre le plus cher. C'est probablement l'armure. Ouais, hop. Et la boutique de magie. On va prendre celui avec de la régène de vie. Et ici, je pense qu'on va prendre l'épée. Parce que l'arc, de toute façon, s'en servira pas. Le casque. On a des gens qui n'ont pas de casque. Ah, John, il n'a pas de casque encore. Donc ça pourrait être intéressant quand même, un petit casque. Mais je crois qu'on en a libéré un casque là. On en a déjà pris un. Non, ouais, on en a pris un pour Damned. Damned qui va aussi prendre l'orbe magique. Et du coup, le cristal de sang à la place du truc d'XP. Ici on va prendre l'arc long à la place de cet arc long là, et du coup le casque. Ouais, on a quand même l'esquive et la régène de mana qui reste quand même intéressante. Plutôt que le jeter. Ça, on va voir si ça vaut le coup. C'est du 3 hein. Le multicoup nous sert plus à grand chose ici, plus de mouvement. Normalement, ouais, on a le truc qui donne un boost de mana ici avec le niveau de l'objet, donc ça peut être pas mal. En termes d'armure, il y a Squash qui est encore à poil. 52 d'armure, 52 de vie, 7% de critique, ouais, c'est pas mal. Le boost de PV et d'armure, c'est pas le plus utile, mais c'est quand même plutôt intéressant. Puis alors la compétence secondaire qui donne 100 d'armure, ça fait plaisir. Tout le monde a des bibelots, ouais, tout le monde a des bons bibelots. Ici on peut lui mettre une botte mystique améliorée du coup. Non, je l'ai mise à quelqu'un déjà. Je l'ai mise à toi. Du coup tu vas rendre la botte mystique. On va la donner à Chobiti, c'est plus pertinent les dégâts de propagation. Et John, tu vas prendre, je pense, ça. Tu vas passer à 11 de mouvement, moins 1 de portée de compétence, un petit bonus d'XP. En vrai, ça sert à rien. Il n'y a que le bonus de mouvement qui est vraiment utile pour toi. Alors, est-ce que Squash, ça serait utile? Fiabilité, résistance, ouais, bof. Et Damned? Non, ça c'est plus pertinent. Bah, du coup, on va peut-être la vendre. Et toi, du coup. On va peut-être te rendre ça, 4-2% de dégâts, 15% de fiabilité, c'est mieux que les 4% de dégâts, je pense. Ok, donc potentiellement, on vendrait tout ça. Pourquoi pas. Il nous reste un objet, la récompense de la nuit, qui était l'épée. Alors l'épée, du coup, ce serait forcément pour toi, Canton. Est-ce qu'on prendrait l'épée? L'épée, elle fait quoi? Elle peut attaquer deux cibles, mais en ligne, plutôt que en colonne, enfin... Enfin, devant toi plutôt que sur les côtés, avec quand même un 200 caisses de dégâts. Si on compare à la hache de guerre qui fait 139, il n'y a pas vraiment photo. Coup des stocks, une cible, et il y a 21% d'inertie. Ah, c'est pas mal. La charge, il y a la charge aussi, qui est franchement pas mal. Qui permet de se déplacer, de traverser 3 ennemis. Et l'attaque ultime, c'est quoi? L'épée fulminante? Oh oui, ouais, on va prendre ça, je pense, pour toi, Canton. Tu vas tellement avoiner avec ça. En plus, tu réduis un peu la résistance. 225 à 276 de dégâts contre 139 à 222. Ça va jouer, ça va jouer. Allez, on va faire les niveaux, tu vas taper encore plus fort. On augmente la précision. Ouais, pam, pourquoi pas, la garde aussi, ça peut être bien. Tu fais combien là pour l'instant avec ta garde épineuse? 105. On va prendre la garde. Là tu passes à 117 de dégâts quand on te tape. De l'inertie, la régène de mana, le rebond de propagation, c'est très fort mais ça te sert à rien pour toi. Plus d'inertie. Non, t'es en dèche de mana, plus de mana. Et ici on avait dit du coup quand t'as
3 mouvements ou moins et que t'attaques au corps à corps, ça te redonne un mouvement. Plus 1 si tu tues une des cibles. C'est plutôt fort, hein. Oh, la baliste humaine. Ouais, non, la baliste humaine, c'est 145 à 171 de dégâts sur les deux ennemis les plus proches. Ah non, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Oh ouais, je suis désolé, il faut ça. Le mouvement, c'est pas trop un problème. Mais alors, les dégâts supplémentaires là. Tu vas avoir ta grosse épée, les ennemis qui s'approchent, ils se prennent un gros carreau de baliste dans la tronche, et en plus derrière, tu les lamines avec ton contre-épineux. J'aime beaucoup, c'est très très bien. Ici on pourrait augmenter le critique encore un bon coup, ou la précision avec Chobiti. Elle a une précision pas dégueu, pas suffisante. Si on la passe à 12%, elle va annuler l'esquive de quasiment tous les ennemis, donc on va prendre ça. Un bonus de dégâts magiques, oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Et là on avait dit... Ah oui, on avait dit qu'on pouvait désactiver son set d'armes pour 30% de dégâts. On va le faire. Normalement du coup, on a... Ah non, c'est toujours une limite par tour pour les compétences magiques. Dommage. Non, normalement c'est chaque compétence provenant du set d'armes. Alors c'est peut-être pas compté. Oui, parce que le truc de base c'était 4 et on voit que c'est toujours 4. Donc normalement on devrait avoir 5. Voilà, on devrait pouvoir lancer 2 coups de tonnerre par tour. 12 cibles à 225 de dégâts. Avec 25% de critique. Ça peut jouer. Ça peut jouer, ça peut jouer. Squash. De la résistance. C'est pas trop ton thème. De la vie non plus. Les dégâts, ouais. Les critiques. Les critiques. 50% de critique pour Squash. Chance d'étourdir pas trop. Dégâts magiques. Du mana. Ah, c'est vrai que t'es faible en mana, non, du mana toi. Relancer avec un peu de bol. Ah, échec. Bon bah, de l'XP du coup. Est-ce qu'on peut pas du coup te faire plus de mana? On va te donner ça, les runes critiques. Plus de chances de faire du critique quand. Tu perds du mana, et vu que t'en consommes quand même pas mal. T'as pris canon de verre déjà. Damned à un petit niveau également. Alors, des dégâts flat ou du critique? Non, des critiques c'était pas trop ton trip toi. Hein. Ouais, t'as un moins 30%, donc on va partir sur les dégâts flat. Dégâts de poison, bof, gain d'expérience, régène de mana. Régène de vie, ça te donne de l'armure la vie, ouais. Une bonne régène de vie. Hop là, 276 d'armure pour Damned avec 25% de résistance. Il est que niveau 5. Hein. Les relances sont rarement favorables. Ça peut arriver d'avoir des trucs mieux. Mais je suis d'accord, c'est relativement rare. On va te filer vénéneux. Ça mange pas de pain. Et on a fait le tour de tout le monde. Ok, alors on a réussi un haut fait, on va aller voir ça. Acheter ou fabriquer 50 objets. Ok, parfait, on va pouvoir avoir des objets épiques maintenant. C'est bon ça. Ça c'est très très bon. Alors, on a tellement de thunes qu'on pourrait aller chercher un nouveau héros si on veut. Il nous resterait 190 pour l'acheter. Sachant qu'on est jour 8. Il y a quoi comme héros? Est-ce qu'il y a des héros? Bien, déjà. 190, on pourrait acheter un de ces trois là. On pourrait acheter Isaac, mais niveau 2 c'est mort. Niveau 5 pourquoi pas. Porte de bouclier. Beaucoup d'armure et de garde. Ah, moins 10 de régène et moins 5 de résistance. Tain, ça pique pour un tank ça. Hein. Et traîne ça va. Ouais, non. Le bouclier, le porte-bouclier était pas mal pour un tank, mais les deux autres, c'est mort. Ici, plus 1 de mouvement. Tête en l'air, moins 5 d'esquive, moins 10 de stabilité, plus 10 d'esquive. Ouais. Et sachant qu'il y a ce truc là, on a quelqu'un qui a ça? Un marteau?
Un marteau, toi t'as ça. Ah, c'est le truc qui joue sur le défensif. Augmente de 50% les dégâts de toutes les défenses dans une portée de 10. C'est pas mal, hein. Mais on va prendre ça pour Canton. Ouais, il m'envoie pas du rêve ces héros, honnêtement. Et lui, chaman, compétitif, moins 1 d'emplacement de bibelot. Lui, il serait pas mal. Et pour le coup, pareil, ce petit bonus là, booster les équipements défensifs, on le fout sur une tour et il peut être vraiment pas mal. Et toi, médium, plus de critiques mais moins de dégâts critiques, le 20% de fiabilité est très bon. 6 de précision, moins 5 d'esquive, moins 10 de fiabilité. Bon, ok, ça compense un peu. Il est pas mal aussi, mais malheureusement, on n'a pas ce qu'il faut. Après, il nous manquerait que 10 balles hein, en vendant nos objets là. Alors, qu'est-ce qu'on est sûr de pas utiliser? Ça, on l'utilisera pas. Ça, on l'utilisera pas, c'est sûr. Ça, on l'utilisera pas. Voilà. On aurait ce qu'il faut pour acheter Dudley si on voulait. Ou Curcio. Le 30% de dégâts de poison, il est fort, mais comme d'hab, on n'a rien qui fait du poison avec la magie. Et le moins 1 emplacement de bibelot, il est un petit peu coûteux quand même, hein, parce que les bibelots, ils sont quand même très puissants. Hein. Alors que ça, c'est quelque chose qu'on peut supporter en étant à distance. Je pense qu'on va prendre Dudley. On va payer ça. Et on va recruter Dudley. On est donc maintenant 6. 6 pour tenir les dernières nuits. Ça va nous aider. Alors, 5 niveaux. Alors, on va regarder un peu ce que tu as. Ta fatalité, ça sert pas à grand chose. T'as la moisson, ça tu prends. La persévérance, je pense que tu vas prendre aussi. La coagulation, non. Ça, c'est pas mal, le tri sélectif. Le contre-épine bof, le carburant magique, des dégâts augmentés selon le mana du héros. On va le booster son mana. Ça aussi, ta canon de verre, ta canon de verre. 15% de critique sur les unités avec toute la vie. Ça pourquoi pas, histoire d'avoir un petit peu plus d'XP. Ce truc là à la fin, mais je pense que tu l'attendras pas. Initiateur, on verra. Pareil, pour l'instant t'as un orbe magique. Le problème de l'orbe magique, c'est que si on le fout sur une tour, ça marche pas des masses. Après ça va bien, parce que vu qu'on a la boutique de magie, on est quand même plutôt efficace en termes d'objets magiques. Bon, déjà là le build il est pas mal. On va regarder un peu ce qu'on a. Alors, on n'a rien eu de top là. La précision du dégât. Allez, c'est parti pour du dégât. Plus de mana. Plus de réduction de résistance. Allez. De l'esquive non, du mouvement. 9 de mouvement, c'est correct. De la résistance, un petit 8% quand même, on voit qu'il y a des flèches des fois qui se perdent. Plus de critiques, ça en prend direct. De l'esquive ou du dégât. De l'esquive. T'as déjà pas mal de garde, allez, une petite garde. Du dégât magique, clairement. Fiabilité. Très bien, ça oui, bah oui, complètement. Deux de portée de compétences, c'est hyper fort. De la régène de mana, on prend. De nouveau des dégâts magiques. Et on est pas mal, donc c'est parti. Moisson, le carburant magique, le canon de verre, ça pour rattraper les copains. Et ensuite... Et bienvenue Shinsuke, bonjour. Et bon dimanche. Mais oui. Un dimanche, c'est rarement mauvais. Enfin, sauf si on considère qu'après c'est le lundi. Mais...
Tu tombes bien, on vient de prendre un nouveau personnage, Dudley, qui va être un lanceur de sorts. Est-ce que ça te dirait d'avoir un petit Dudley? On va prendre ça. On va voir comment on peut l'équiper. Donc du coup, on a... Ça, c'est pas mal. En termes d'armure, un petit douce de précision, c'est pas dégueulasse. On va te donner ça à la place de ton orbe. On a un bouclier ici. Allez, c'est parti pour Shinsuke. Donc tu es médium, donc tu as plus de chances de faire des dégâts, mais par contre tu tapes un peu moins fort en critique. Tu es habile, 6% de précision. Par contre, t'as un petit peu tête en l'air, donc t'as moins d'esquive et de fiabilité. Mais ça va. Franchement, ça va. C'est tout toi. Parfait. Bon dimanche quand tu viens faire ta feuille de vente. Ah oui, Canton. J'avoue qu'il peut arriver qu'on ait besoin de travailler le dimanche. Regarde, moi je live, c'est du travail. Ça, on va vendre. Ça, du coup... C'est fort, mais on a vraiment aucun intérêt à l'avoir, donc on va le vendre. Ah, on a un home ailé ici. On va vendre cette hache. On peut acheter du coup l'épée fulminante plus 2 ou de la potion de mana. Non, on n'a pas ce qu'il faut. L'épée fulminante plus 2. On en est où pour nos tanks là? Canton, il a juste le parchemin de dague. Et Damned. Il a un parchemin de jet de flamme. On va peut-être prendre le l'épée fulminante pour Canton. Canton, il brille. Hein. Il brille de partout. Est-ce que là, je vais plutôt prendre voilà, le bouclier là. Je vais le filer à Damned pour augmenter sa garde et donc ses dégâts. Ainsi que sa défense au passage. Il y a quand même plus de chances qu'il se fasse taper plutôt que Shinsuke pour l'instant. Et ça... Je pense qu'on va l'enlever à John et on va le donner à Shinsuke parce que il a du poison lui avec son orbe là. Là il y a une sphère putride. J'aime le nom, la sphère putride. Ça c'est bon ça. Hop, excusez-moi, j'ai oublié de remplir ma bouteille, je reviens vite. Ah oui, c'est terrible, on se prépare pour le live, on prévoit le café, les assets, le titre du live, etc. Et d'un seul coup, le drame, la bouteille d'eau. Le week-end, ton jeu trinque. A chaque partie, l'équipement est perdu. Alors oui, si tu perds le bastion, donc si les ennemis arrivent à s'infiltrer et à taper le cercle de magie, même si tous tes héros sont pas morts, si le cercle de magie meurt, tu perds ton bastion. Et du coup, tu recommences de zéro. Alors tu gardes... il est où? Là, ici. Tu gardes la partie roguelite du jeu qui est tous les trucs qu'on débloque soit en faisant des hauts faits, soit en dépensant de l'essence. Ça c'est la partie roguelite, l'oraculum. Mais sinon tu recommences de zéro sur une map vierge avec 3 nouveaux héros tout frais niveau 1. Et puis go quoi. Donc la nuit dernière on a un petit peu galéré, là on est un peu plus calme. Il nous reste 0 péon. C'est dommage, j'aurais bien boosté le mana de nos piou-piou, mais c'est pas grave. Là on a consommé du mana à outrance, donc on va recharger. 119 de mana pour Chobiti. C'est parti. Tout le monde est full life. Oui.
Les défenses, faut qu'on fasse les défenses quand même, sinon ça sert à rien. Ce serait dommage de partir sans défense. Alors, bon, déjà on répare tout, on avait quand même bien encaissé. Ici, ça avait cédé. Donc on va corriger ça de ce pas. Ici aussi, ça a cédé à cause des saloperies de. Comment il s'appelle ? De kamikaze là. Ici on commence à avoir quelques trous, il nous reste plus grand chose. Bah ouais, en fait il nous reste. Ici il y en avait un qui avait réussi à s'infiltrer par où ? Par là peut-être ? Ouais, par là. J'aurais bien voulu faire quelques balistes supplémentaires, mais bon, tant pis. Au moins elles sont globalement améliorées, elles peuvent tirer sur deux cibles. Ici c'est toujours compliqué les balistes. On va essayer d'en faire quelques-unes là au prochain, la prochaine fois. Alors attention Shinsuke, il y a débat sur le terme. Il y a le roguelike, comme tu l'écris, qui est qui signifie like rogue, rogue qui était un vieux jeu des années 90, où quand tu redémarres vraiment de zéro avec rien. Tout ce que tu as fait dans tes parties précédentes, à part l'expérience que toi t'as acquise dans le jeu, c'est perdu. Et il y a roguelite avec un T, donc en gros un rogue allégé, où t'as des mécanismes qui font que ce que tu peux gagner certaines choses et les garder de run en run, comme dans The Last Spell. Et attention, tu peux tomber sur des puristes qui sont vexés si tu n'utilises pas le bon terme. Moi, ça me dérange pas, c'est un débat rigolo quoi. Mais il y a des gens comme Toug hein, qui peuvent être rendus nerveux par ça. Non, ils peuvent pas passer en diagonale, donc ce mur devrait les bloquer si quelqu'un passe jusqu'à ce que tant que la baliste tienne. Bon, bah on a tout dépensé. Est-ce qu'on fait une petite barricade quelque part pour aider? Là, c'est assez ouvert. Je vais faire une barricade là, histoire de les ralentir un peu. Ici, on a zéro truc pour taper. Le mur que j'ai poussé pour faire une sortie. Il y avait ce mur-là que j'avais attaqué, mais c'était dans une nuit encore avant. J'ai poussé un mur, je me souviens plus. Je me souviens que je saute par-dessus les murs, ça clairement. Là on est bien. Bon bah normalement c'est parti. Il y a une compétence gratuite. Alors ouf, parce qu'il y, y a la vie, mais il me le dirait pas si, vu qu'on est full life. Non, donc normalement il me le dit pas. Quels sont les bâtiments disponibles avec des compétences gratuites? Bah non, il y a que celui-là. 256. Ah, 265 sur 266. John n'est pas tout à fait full life. Il lui manque un PV. Ok, autant pour moi. On va lui faire regagner tant qu'à faire. Alors, qui va gérer quoi? Qui va gérer quoi? Il va nous falloir un tank, je pense, de chaque côté des grosses vagues. Tant qu'à faire, on va le mettre peut-être pas hyper proche, mais assez proche. Damnel il est un petit peu moins costaud, donc on va le mettre proche mais pas non plus trop. On va mettre John sur la tour je pense, avec son arc long là, et l'arc court en acier et tous les bonus de portée. Oh, allez-moi cette portée d'attaque quoi. On le met au milieu de la ville, il peut défendre toute la ville à lui tout seul. Excellent. On va mettre Shobiti ici, je pense, en soutien de Damned. Alors non, Shobiti, on va la mettre ici. On va voir si elle arrive à gérer un peu toute seule les vagues qui vont arriver là. Même si je pense que nuit 8, même une vague à un crâne, ça va être la violence. On va mettre Squash ici, en renfort. Et Shinsuke... J'hésite. Je pense qu'on va inverser Canton et Damned. Alors du coup Canton t'es plus costaud, on va te mettre un peu plus devant. Damned tu vas rester par là, soutenu par John. Et Shinsuke pour l'instant tu vas aller aider Shobiti, on va voir si elle s'en sort bien. Peut-être que tu partiras sur un côté, en plus t'as la possibilité de courir. Alors c'est parti. Ok, ils apparaissent de nouveau par là-bas. Il y a des archers directs. Très bien.
Alors, ici plutôt là-bas donc. On va pouvoir utiliser cette nouvelle compétence. Oh oui, Canton, mais que c'est beau! La violence! La violence! Il n'y a pas d'autre mot. On va lancer une petite dague sur le copain là. Bim! Ah, on n'a pas passé son armure, dommage. Hein. C'est le problème des compétences magiques, ça. Du coup, on va pouvoir venir sniper un peu avec Squash. Il est trop loin, dommage. On peut pas bouger beaucoup plus, malheureusement. Par contre, on est à portée pour redonner des compétences ici. Bim! Allez! Ils sont où là? Hein? Ils sont où les ennemis? Bon bah, ce flanc, visiblement, ça va bien se passer. Là, c'est une petite vague comme prévu. Et donc, on a bien deux foudres et deux boules de feu. Chobiti va se faire plaisir. Je pense même qu'elle va aller par ici. Pour éventuellement. Ouais, quoique non, les ennemis sont trop loin par là. Allez, Shinsuke. Le dernier ici, ok. Merde, ça c'est le mauvais move par contre, demi-tour. J'ai fait un clic de le mauvais sens. Alors là par contre on est un peu loin. Est-ce que ils sont à portée pour ta compétence? Non. Dommage ça. Il faudrait utiliser l'arc long. Qui est quand même très fort. Hein. Bon, l'étourdissement c'est pas trop ça par contre. On a le tir de précision. Non, ils sont quand même très loin, donc il va falloir que tu descendes de ta tour, je pense. Mais bon, déjà on va faire les tirs. Voilà, ensuite tu vas descendre, tu peux pas descendre de ce côté. Tu vas courir jusque là. Tu peux même sortir, hein, puisque il y a ça qui te protège. Et toi, t'as 7 de mouvement, c'est un petit peu short, Damned. Cela dit, là on a 3 de portée avec ça, donc on peut normalement venir genre là. Du coup plutôt là, balancer un petit marteau de la foi, histoire de faire un peu de dégâts. On a stun hein, comme ça, en fait il est trop loin, on va avancer. Voilà, bon, on est un petit peu moins efficace sur ce flanc, mais faut dire que ils étaient quand même moins bien placés. On va utiliser notre compétence comme ça et ensuite ici, voilà. Et là on est un petit peu au milieu de la foule. Donc on va voir comment ça se passe. Toi il te reste un point à Chobiti. Et rien que tu puisses faire, donc tu vas te booster. Ici il te reste plein de points aussi, du coup tu vas te booster. Tu vas envoyer un point là. Voilà, comme ça on va pouvoir se booster aussi. Là on est bon. Et là, hop là, on est parti. Ah, les trois balistes alignées, elles font quand même le taf hein. Reculez, bande de faiblards! Ouh, il y a un gros là. J'ai vu là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un lancier d'élite. Régénère un pourcentage de vie à chaque tour. Ah la vache! Et là, on est un petit peu cerné. On pourra utiliser ça. Ouais. Oh, lui, il a beaucoup trop d'armure, mais malheureusement, on n'a pas de. De dommages physiques sur ce flanc, donc il va falloir se le faire à l'ancienne. Ah, on est trop proche pour un tir de précision et si je sors, je le vois plus hein. Ouais, non, merde, ça c'est con ça. Si je vais là, non. Là on fait 142 à 166 de dégâts et là 130 à 160, donc on va utiliser celui-là.
vache, faut passer l'armure. Hein. Laissez-moi passer. Oh putain. On arrive tellement à rien. Ok, on a entamé un petit peu ses PV. Sachant qu'il les régénère. Là on va galérer là. Si je reste ici, je vais être empoisonné. Il fait combien de dégâts? 100 à 124, ça va. C'est franchement c'est acceptable. Est-ce que ça vaut le coup de balancer ça? Ouais, c'est pas si mal. Voilà, on lui fait un peu plus mal. Bon, la Mimi Life va se régénérer un peu, mais ça devrait aller. Ouais, lui, on va l'empoisonner. Ici. Ah oui, merde, j'avais pas vu, il y avait pas de jonction là. Oh, ça c'est dommage ça. Allez. Ouais, ce qui va nous poser problème, c'est clairement les armures. Hein. Il est trop loin lui, faut le shooter. Voilà. On va les endommager un peu pour qu'ils avancent pas trop. Ce metteur de portée. Il n'y a pas de lancier, donc toi tu vas aller par là. Bon, on voit que déjà, deuxième partie de la nuit, c'est plus la même. Hein. Ah, là aussi on a un lancier d'élite. Par contre, là on a Canton. Et ça, inutile de dire que ça va changer la life. Allez, Canton, trace la route. Ce serait bien qu'on puisse se mettre là. On va dégager celui-là. Bim! Ah, ça coûte 2 points d'action ce truc, d'accord. Pas tant en fait. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de beau ici? Il faut qu'on nettoie les archers. Allez, Squash il fait que des coups critiques quoi. Bien à l'abri derrière son gros truc là. Bon bah Canton. Voilà, petite contagion. Alors lui du coup il régénère peut-être pas hein. Ah il a une valeur de vie plus supplémentaire, ok donc lui il régénère pas, par contre il a 400 de vie en plus. Je pense qu'on va rester là avec notre truc là, si je vais ici. Ouais, si je vais ici on empoisonne tout le monde. Donc on va rester ici avec Canton en mode pépouze hein. En plus il a sa baliste humaine. Tout le monde a utilisé ses points, c'est parti. Ah, dommage, j'aurais bien voulu qu'il tape là-dessus. Ah putain, il perce l'armure ces enfoirés. Ah oui! Ah Canton il fait moins le rigolo là! On a perdu 2 de mouvement. Faut vraiment qu'on bute celui-là du coup. Il a porté. Ah putain, il n'a pas apporté. Ah, il a pas aimé les lanciers là, hein. Clairement, quel pauvre Canton là. Allez, le petit coup de dague ici. Après on va aller se mettre là. Nettoyer un peu. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de lancier qui a envie de se pointer. Ah, les lanciers qui ignorent l'armure, c'est vrai que ça fait mal. Hein.
On t'a pas mis le truc qui te soigne. Hein. Je pense que la prochaine compétence qu'on te met, c'est pour que tu te soignes un petit peu quand il y a du poison qui proc. À mon avis, un petit peu de sustain, ce sera pas de trop. Allez, on balance de la boule de feu. Toi, on ne voit pas. On avance. Oh, t'es sérieuse? T'as survécu? C'est pas gentil, ça. Pas mal. Alors là, du coup, il y a de nouveau cette saloperie qu'il faut réussir à nettoyer. On va faire ça, ça. Histoire de booster l'inertie. Putain, ça fait tellement rien. On l'a pas stun, pas de chance. Du mana à cause de cette saloperie là, ça m'emmerde un peu. Pas crevé hein, bordel. Du coup ici notre mur va commencer à se faire un peu repousser. Toi, tu devrais pas trop te prendre d'attaque, mais il y a encore un lancier là, ce qui m'emmerde. Bon! Oh la vache! Les archers, ouais. Caton, il commence à manger quand même hein. Ah, on manque tellement de force là. Je pourrais aller ici, mais j'ai plus que 5 mouvements. Donc après je serais complètement coincé. Déjà, je vais envoyer une vague de flammes. Ah mais les armures, on n'arrive tellement pas à les passer quoi. Le rayon de la mort, c'est beaucoup trop cher. On les voit pas eux hein. Alors toi il te reste plein de points mais assez peu de mana. Oh, allez. Ok, au moins il va crever du mana à moyen terme. Il va crever du poison pardon. Ah, merci Canton, c'est très gentil, merci d'être passé sur le live hier, c'était cool d'ailleurs. On s'est bien marré, franchement le jeu est intéressant. Allez, faut essayer de passer là. Passez-moi cette foutue armure. Ah ouais, une fois qu'on a passé l'armure, on est quasi one shot quoi, mais... Ici... Ah dommage, c'est parti par là quoi. Au moins on a pété l'armure. Ouais, il va
falloir qu'on se replie, je pense, derrière les murs ici. Parce que mine de rien, rien que les archers, ils font mal. Hein. Ici, on est bientôt arrivé au niveau où on va souffrir d'une blessure grave. Et la blessure grave, on peut pas se permettre. Très clairement. Déjà, là, le niveau mouvement, on a plus que 3 points de mouvement. Putain. Pas mort l'enfoiré. L'autre il s'approche là, on va le tuer. Alors tous ceux qui clignotent, ils meurent du poison. Il y a un archer là. Voilà. Canton, ouais. S'il n'y a pas d'autres lanciers qui sortent, ça va aller, mais... Sinon tu vas galérer, hein. Ici on est bon, ici on est bon. Sur ce flanc ça va être compliqué aussi. Oh tous ces lanciers putain. Bordel quoi. Là ça va, ça passe plus les armures, y a pas de lanciers. Ici il va falloir qu'on y aille. Météores, des familles. Ils peuvent pas encore passer, mais bientôt. Ici, on se décale d'une case et on balance ça. Ah, les armures, bordel! On a rien qui perce l'armure, hein, non. De mana et en plus on stun personne, parfait. Il faut le tuer. Putain. Pourquoi le temps de haine? Faut se replier là, malheureusement. C'est chiant, mais bon. Alors ici. Parfait ça. Bon, je pense que Shobiti va pouvoir gérer la suite. On va aller filer un coup de main par là avec Shinsuke. Tu vas te faire buter par les catapultes, les... pas les catapultes, les balistes. Pourquoi je peux pas aller là? Je peux pas sauter par-dessus ça? Bon, ok. Admettons, du coup, je les vois pas. Si je viens ici, je vois celui-là. Allez, c'est parti. Alors, ici, de nouveau, déjà toi, t'es mort. Bon, le coup d'épée là, il est hyper badass. Hein. Avouer. Allez, on crame du mana avec nos 5 de mouvement.
sur ce flanc. Ah, il y a un lancier là-bas, mais il est loin. Tu pourrais les finir là. Ouais. Deux morts de plus gratos. Ça mange pas de pain. Et il te reste une compétence. Un petit lancer de dague. Voilà. Alors tout le monde a joué. Ici on s'est un peu replié. Ça va empêcher les lanciers de se mettre trop en tas. Lui il est mort. Mais il va clairement falloir qu'on prenne un peu de sustain. Hein. Ok, là ils abandonnent l'idée de me taper dessus. C'est pas forcément top, mais ça va nous aider à survivre au moins. Putain, ils ont fait un trou direct là. Toute cette armée de lanciers là. Allez. Oh. Ça passe tellement pas les armures. Ok, ça fait le taf. Ici. Deux points, on pourrait faire une attaque de zone. Là. Alors, on n'a plus du tout de mana maintenant. Full armure, ça sert à rien. Là c'est dommage, hein, ils ont plus de vie mais on n'a pas la fatalité. Ok, on va se replier par là. Il va probablement venir nous taper mais ça devrait aller. Alors à nous. Trop loin pour aller lui taper dessus malheureusement, donc on va y aller. Ouais, à ma connaissance, Canton, il n'y a pas de compétences de soins dans le jeu, enfin de d'armes qui donnent du soin quoi. Donc c'est pour aller là pour finir celui-ci. Le soin, c'est soit éventuellement les potions de soins. Et c'est vrai que ça pourrait commencer à devenir nécessaire hein, parce que les lanciers ils sont quand même compliqués, ils passent l'armure et tout, et la garde et la résistance sont pas assez élevés pour les encaisser. Il y en a encore 18 et ils sont tous là. Et bien ça va être la violence. Heureusement on a 3 personnes sur ce flanc maintenant. Et après il y a les sustains genre le vampirisme et tout qui peuvent aussi être intéressants. Et salut Marude! Salut Maloutre! Comment ça va? Bienvenue sur le live! Ici on a deux lanciers qui nous tapent dessus. En vrai il faudra tellement que toi t'arrives, mais vite! Avec tes dégâts physiques là. On va filer. T'avances. On avance. On avance. Et on avance. Bon, on n'est pas encore arrivé, mais ça commence à être un peu plus correct. Alors si je fais ça, est-ce que ça se répand? Non, ça se répand pas sur les arbalètes, c'est déjà pas mal. Là on a une place pour une boule de feu. Ok, qui déjà nettoie un peu. Parfait, ça c'est pas mal ça.
Chobiti, t'es un peu coincé. Est-ce que tu peux sauter par-dessus ça? Tu peux sauter là. Ah mais du coup faut que tu ressautes ici. Tu le vois pas, t'es sérieux, il te manque un de mouvement pour le voir. Saloperie. Allez, allume. Ici tu vois lui, c'est parfait. Tu vois celui-là, c'est parfait. Alors ici, on va se déplacer pour activer un petit peu d'inertie. Ah, ça passe pas. Ça passe pas souvent sur Twitch, c'est rare que tu vois un stream. C'est quoi ce jeu? Alors ce jeu, c'est The Last Spell. C'est plutôt que de la stratégie tour par tour, c'est de la défense de base. En fait, on doit défendre le bastion ici, et notamment le cercle de magie qui, si il est détruit, on perd la partie. Avec nos héros, donc on a chaque nuit, on a une vague d'ennemis qui arrive de différents côtés, ça dépend des nuits, et on doit faire en sorte de protéger le bastion. Et chaque journée, on a une phase de production, on peut utiliser des bâtiments, on a différents bâtiments, un magasin, des maisons qui vont donner des ouvriers, des boutiques, etc. pour construire des défenses, améliorer nos héros, les équiper, etc. Ah oh, mais bon, faut tuer les gens un peu des fois. Ok, là, il faut se débarrasser des lanciers, c'est la grosse priorité. Parfait. De moins. Et il est vraiment très bon. En fait, il était en early access depuis un bon moment. C'était en juin 2021 que j'avais fait ma première vidéo dessus. Et maintenant, il est sorti en 1.0 jeudi. Et donc là du coup on en profite pour le poncer un peu. Il y a une partie roguelite dans le jeu que je peux pas te montrer tout de suite, je te montrerai à la fin de la nuit. Mais qui permet en fait de débloquer des choses au fur et à mesure des parties. Bon là on va s'en tirer. Sur ce flanc là, c'était compliqué quand même. Hein. Voilà. Donc là on va passer en phase de production, donc c'est le jour, et on gagne nos petites récompenses. Bon, on est en B parce qu'on a quand même bien mangé niveau PV malheureusement, et on a pris de la panique. Alors est-ce qu'on a eu des trucs cool? Et donc à chaque fin de nuit en fait on gagne de l'essence impure, donc sur les ennemis qu'on tue, si on a survécu, et après il y a tout un tas de bonus. Là par exemple on a perdu 200 de vie et on a survécu, ça nous donne 99 points, etc. On a perdu 20 défense, on a utilisé 10 compétences, on a infligé beaucoup de poison, c'est cool. Et ça c'est de l'essence qu'on va pouvoir utiliser pour la partie roguelite. Alors ici il y a montagne de cadavres, deux objets. Et normalement il y avait un élite non, qu'on avait tué. Ah dommage, il a pas fait de petit l'élite. Les élites n'ont pas fait de petit, dommage. Alors, on va ramasser les objets sur ce gros tas de cadavres, voilà. Et ça, c'est un tas de cadavres, on va l'enlever parce que comme ça on va pouvoir construire des murs, nos propres murs. Et là on va leur laisser dans les pattes je pense. Et donc tu vois, chaque jour on sait de quel côté les vagues vont arriver, bon bah là ça va être de tous les côtés qu'il va y avoir des vagues. Et donc, on a moyen d'acheter avec de l'essence tout un tas de choses, donc par exemple là, des pièges ou des catapultes, des nouveaux objets en général. Avec l'essence on débloque des nouvelles choses. Et on a également un système de haut fait. Ah, on va avoir un petit dialogue visiblement d'ailleurs. Réjouissez-vous au Térémère car je viens les bras emplis de présents. Pourquoi moi? En toute vérité je ne sais moi-même rien de ce mystère, il semble que tu sois un être singulier, mais je ne saurais dire de quelle façon. Quand j'aurai retrouvé davantage de mon pouvoir, je pourrai certainement délier les fils du destin.
Et donc là, par exemple, ici, on va débloquer principalement des améliorations des trucs existants en accomplissant des hauts faits. Donc là, on a dépensé 800 mana. On a donc possibilité maintenant d'avoir ces objets-là qui apparaissent dans nos parties. L'ensemble du mage de glace. Ouais, comme dit Shobiti, loin, vous l'avez sans doute pas entendu, tu débloques pas les objets en tant que tels, tu débloques le fait qu'ils peuvent apparaître dans ta partie. Sauf les bâtiments où du coup tu débloques la possibilité de les construire directement. Et là on a des pièges maintenant qu'on peut construire. Inflige dégâts à la cible au casque qui l'entoure, déclenché quand un ennemi termine son déplacement dessus. D'accord. Donc les pièges, il faut que les ennemis terminent leur déplacement dessus, ça peut être pas mal. On peut améliorer les taux de vente du marchand, ok. Encore plus de dégâts. Peut-être commencer à mettre quelques pièges. Hein. Le piège ralentissant ralentit la cible. Ah, mais la cible uniquement, pas les autres. Et là, étourdir, mais pareil, uniquement celle-là. Celui-là, par contre, fait des dégâts à tous ceux qui sont autour. On va prendre le piège. Le piège comme ça, il me paraît pas mal. Et je pense qu'il va être temps aussi de débloquer les catapultes. Il nous reste 700. Avec 700, est-ce qu'on peut se débloquer des trucs cool? Ah, plus de chances d'avoir des objets peu courants. Voilà, commencer à le débloquer. Et donc tout ce qu'on débloque ici, c'est ce qui va rester entre les parties, même si on meurt. On va aller voir les objets qu'on a lootés du coup. Alors, un casque. Il est basique, mais il nous en manque, donc on va le prendre. Ouh, un orbe magique du novice épique. Ça, c'est bon, ça. Tome des secrets, plus de régène de mana, c'est pas mal, mais là... De la garde du mana, des dégâts de poison, des dégâts flat, ouais, on va le prendre. Ah, tome des secrets de l'adepte, qui booste aussi le poison, la régène de mana. Lui, il pourrait être pas mal pour aller avec l'orbe, vu que l'orbe permet de faire du poison. Sinon on a les greffes du porc épique. Plus de mouvement. Oh c'est pas mal ça. Canton t'as quoi? T'as des greffes de paladin. Ouais globalement c'est mieux en tout. Et Damned. T'as un pantalon en fourrure Damned. Oui on peut peut-être te prendre un truc un peu plus énervé. Bon là globalement par contre c'est de la merde. Enfin c'est de la merde, c'est du basique. De l'esquive du mouvement, de l'esquive du mana. Qu'est-ce qu'ils ont comme équipement nos gars? T'as un pantalon en fourrure, on va pas te filer un pantalon usé toi. Ce serait quand même dommage. Toi tu peux pas porter d'armure. Armure lourde usée, plus de garde, moins un de mouvement, bof. Non, même les pantalons en fourrure sont mieux. Hein. Bon, on va prendre le plus cher et on vendra 19. C'est ça. Et là, alors, ok, on a un marteau en acier qui a des chances d'étourdissement et de la garde. C'est pas mal ça. Pour remplacer éventuellement notre dague. La dague qui donnait plus 1 de mouvement, quand même pas mal. Hein. Sinon on a quoi? Le charme de tortue pointue. Plus de précision, réduction de résistance et du critique. Ou alors le home ailé. La résistance et de l'esquive. Alors l'esquive nous sert à rien. Le 11 de résistance il est pas dégueulasse par contre. Mais on va peut-être partir sur le marteau à la place de la dague du coup. Ça va quand même pas mal augmenter son DPS. Hein. On passe de... 111, 123 à 190, 220 DPS. Au niveau des casques, je crois qu'il y en a un qui a pas de casque du tout. Voilà, John. De l'armure et du mana. Oui, c'est pas mal. Toc toc toc. Est-ce que toi, du coup, tu prendrais pas ça? Du dégât de poison. Des dégâts, de la garde du mana. Ouais. Pour à la place de ta baguette à la con là. Les greffes du porc épique, on a dit que ce serait plutôt pour Damned. À la place de son pantalon de fourrure. Ouais,
Parce que l'esquive nous sert à rien. Donc là on prend du dégât de la précision, de la garde qui va faire des dégâts supplémentaires sur les ennemis. On passe à 158 de dégâts à chaque fois que tu prends un coup. Ça commence à jouer. Et du coup on peut filer ça à quelqu'un d'autre. De l'armure, de la précision et de la régène de vie. Squash, il a une bonne défense déjà. Chobiti, on a vu que quand elle se prend une flèche, ça pique un peu, donc on va la renforcer un peu. Ce qui nous manque, c'est des pantalons maintenant. Ok. Alors, faisons les niveaux. John, du dégât, plus de mana. Tu n'utilises pas tant ton mana. Plutôt du dégât. 56% de fiabilité, bah oui, complètement. Et au niveau des talents, on avait dit initiateur éventuellement, mais du coup c'est pas du tout adéquat. Armure organique, bof. La flexibilité pas trop. Brutalisé, plus 25% de chance de critique, ouais. Sinon, on pourra lui mettre des potions et il pourra les lancer sur les alliés vu qu'il a 3 emplacements de sac. Ça peut être pas mal ça. Kenton, t'as pas de niveau. Squash, t'as un niveau. Plus de vie. Ouais, bof. Plus de dégâts. Ah bah oui. De la régène de vie, du dégât de poison. Il va commencer à pouvoir faire du poison hein, lui hein, avec la sphère putride là, en plus du poison de zone. Ouais, on va prendre ça. Donc les héros, Marude, hein, pour parce que c'est vrai que j'en ai fait le tour, ont des caractéristiques principales. À chaque fois qu'on monte de niveau, on peut en monter une. Donc de la vie et la régène de vie qui est la vie régénérée chaque jour. Du mana et la régène de mana qui est le mana régénéré chaque jour. Donc ça. C'est pas régénéré à chaque tour, c'est régénéré à chaque fin de nuit, donc à chaque début de journée. Un nombre de points d'action qu'on peut utiliser par tour, donc 5 points d'action par tour, 9 points de mouvement par tour. Et après des caractéristiques, un modificateur de dégâts, un modificateur de chance de critique, une réduction de résistance qui permet de passer à travers de la résistance des ennemis, une précision qui permet d'éviter l'esquive, et des trucs défensifs, donc de la garde qui est une annulation flat des dégâts, de l'armure qui en gros est un truc qu'il faut taper avant de taper dans les PV, mais qui se régénère à chaque tour. La résistance qui est une réduction en pourcentage des dégâts et l'esquive qui est une chance d'esquiver tout simplement. Et après t'as tout un tas de compétences secondaires, donc pareil à chaque niveau t'as droit d'en monter une. Et bon je vais pas toutes les détailler mais bon tu vois qu'il y a de quoi monter plein de builds différents, il y a beaucoup d'armes etc. C'est franchement très très sympathique. Vraiment j'aime beaucoup ce jeu, je l'attendais beaucoup et je suis pas déçu. C'est complet, tu t'y perdrais. Ah bah après, l'avantage aussi, c'est que c'est vraiment du tour par tour, donc tu peux prendre le temps. Moi je le fais en stream, donc... Et je connais assez bien le jeu, donc je prends pas 10 ans à réfléchir, mais tu peux très bien passer une heure par tour à dire « Alors attends, je bouge ce mec-là, j'attaque, je tue lui, ça passe pas, j'annule, je fais autre chose, etc. » Tu peux complètement passer le temps que tu veux à faire ça, hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et là, je pense qu'on va prendre expert en critique pour Squash. Plus 25% de puissance de critique, donc c'est pas les chances de critique, c'est les dégâts qu'il fait si jamais il fait un coup critique. Je vois un petit coup, excusez-moi. D'ailleurs t'as un bouclier vert, Squash. Est-ce qu'il serait pas mieux sur Damned? 7 de garde, non. Le critique, ça vaut mieux que ce soit toi qui le garde. Damned qui passe level 6. Plus de mouvement. Ah ouais, pourquoi pas. Puisque toutes ces compétences font plus de dégâts s'ils se déplacent. Opportuniste bof, portée de compétences. Ça c'est pas mal ça. Pour un mage de combat. Autant les combattants au corps à corps, ils sont au corps à corps donc ça joue pas. Par contre lui, avec ses compétences de mage de combat,
il peut attaquer à distance, il est là pour encaisser, il est là pour tanker, mais il peut attaquer à une distance relative, et 2 de plus c'est quand même pas mal. Hein. Donc on va mettre le sustain ici, la sensu toxique, d'ailleurs je vais la marquer pour Canton, parce que clairement ça aurait aidé. Hein. Là si on avait eu ça, ça aurait pu nous bien nous aider. Je crois que même avec sa grosse régène de vie, elle est pas full life, hein. Clairement pas. Damnel, il a réussi à passer full life? Non. Ok, donc il va falloir qu'on restaure de la vie un petit peu. Damnel, il va devoir faire 100, Chobiti aussi. Au niveau du mana, j'aimerais qu'on booste un peu le mana de Damned. Hop, on restaure le mana de tout le monde. Et on va booster le mana Shinsuke, non, de Damned encore. Avoir un petit peu plus de mana pour les compétences. Et alors qui c'est qui n'est pas fou de 82, 63. Toi t'en manques 2, ça va. Ok, on va faire ça. Et... ok, on est revenu full mana. Et en plus, Damned a gagné quand même 12 points de mana supplémentaires pour le reste du run. Ça va nous aider. Alors ensuite, il nous reste 2 péons. On pourrait en claquer un pour soigner tout le monde. Ça peut être pas mal pour finir de remonter. On prend. Voilà, là on est bien. Là on est bien, on est bien. Et je pense qu'on va refaire un camp de pilleurs. Ici, donc le camp de pilleurs qui va nous donner plus de matériaux chaque nuit. On va en faire 2. Comme ça on va vraiment être blindé en matériaux pour commencer à foutre des pièges, des balises, des catapultes, enfin tout ce qu'on peut mettre. On va réparer pour 59. Parce qu'on voit que nos murs ils souffrent. En plus on est obligé de mettre des murs en bois, sinon nos balises peuvent pas tirer. Du coup ils sont un peu plus fragiles. Alors qu'est-ce qu'on pourrait construire? De la mine d'or, ouais, fabricant d'armure, bof. Voyons un peu le magasin, qu'est-ce qu'on nous propose? Ah, on commence à avoir des trucs un peu plus énervés. La masse plus 5. C'est à 2 mains. Pourquoi c'est rouge là? Ah non, c'est parce que je le surligne, d'accord. Okay, je me demandais pourquoi c'était entouré de rouge, si c'était un truc spécial, mais non. 11 de précision, 13 d'opportunisme, 8 de dégâts, ça fait quoi? Coup de marteau. Ok, il attaque et il met l'étourdissement tout autour. Poursuite. Donc la poursuite, c'est si jamais on tue l'ennemi, on se retrouve à sa place. L'écrasement outrancier. Écrasement outrancier. Ah, ça débuffe, c'est pas mal. Et le fracassement au sol. Est-ce que ça vaut le coup de mettre ça à Canton? Canton qui est quand même très très bien équipé. Hein. Non, je pense que ça vaut pas le coup. Par contre, j'aimerais bien avoir des trucs un peu plus épiques que le pantalon usé épique. Quoi. Ouais, c'est un studio français qui développe ce jeu, Marud, et c'est vrai qu'ils ont... ils ont de l'humour sur les noms des trucs et tout. L'écrasement outrancier. Tu sens que c'est pas là pour déconner quoi. Ah, on pourrait avoir un petit coup de tonnerre supplémentaire. Pourquoi pas une petite potion de mana. Dommage, on n'a pas de potion de soin. Mais je pense qu'on va prendre la potion de mana et la potion de garde et on les filera à John pour qu'il puisse les lancer sur les copains. Là on a quoi? Régène de vie, moins d'armure, plus de dégâts de poison et stabilisation. Ça fait quoi stabilisation? Immunité aux altérations pendant un tour. Ouais. Bouf. Botte vicieuse, 34 d'armure, 6% d'inertie. Alors est-ce qu'on a des gens? Ouais, alors là l'amulette de sagesse c'est pas ouf. Hein. Faudra qu'on la change. Toc, toi tu prends les popos. Un niveau babiole on est pas mal, là c'est que du niveau 2, mais bon, 8% de dégâts, 20% de fiabilité, c'est quand même vraiment très bon. Ici on pourrait peut-être améliorer ça.
Il y a quand même quelques bibelots qu'on pourrait améliorer. L'anneau météore, il fait mal. Hein. Il nous sert pas beaucoup, mais parce que c'est quand même 8 de mana, mais quand on peut le balancer, ça pique le fion. Là, plus 2 de multicoup, on a rien qui fait du multicoup, dommage. Le 25 en armure, il m'emmerde là. Donc non, plutôt non. Ça, ça coûte pas grand chose, on va le prendre parce que 13 de garde, ça va être pas mal pour améliorer nos gars. Et la botte vicieuse. Damned, il a quoi? Ah, il a le bibelot de sang. Ouais, qui est pas mal quand même. Hein. Du coup, est-ce que ce serait vraiment intéressant pour John? Une botte vicieuse, l'isolation, ouais, de l'armure et de l'inertie. L'inertie sert à rien. Mais l'isolation et l'armure, ça peut être pas mal quand même. Hein. Après, on perd 15% de fiabilité. Ouais. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, je suis pas convaincu. Ça, on va le prendre. Ça pourra. On va le filer à. À Damned, notre combattant au corps à corps magique là. Même si il a du mal avec son mana. Et on va lui filer un bouclier un peu mieux pour qu'il réduise de 40 quasiment les dégâts qu'il prend. Et du coup tu vas prendre ça Shinsuke, ça te fera quand même une petite réduction de dégâts en cas de besoin. Est-ce que tu je te donnerais pas ça plutôt, non? Il commence à avoir des gueules de mecs énervés, hein, nos personnages. Hein. Et bon courage pour le script de ta vidéo, Maroud, merci beaucoup d'être passé. Je guetterai le lien pour quand elle sortira. On va peut-être économiser nos sous. Ou alors on peut peut-être améliorer... On en est loin, ah bah écoute, ça... On va améliorer la production passive de nos matériaux. Voilà, je veux vraiment blinder de matériaux pour les dernières nuits. Et il nous reste un ouvrier. Est-ce que on récupère un objet de plus? Allez. On commence à être très bien niveau équipement, mais on peut tomber sur un truc vraiment cool. Genre la cape féerique plus 4 par exemple. 4 de régène de mana, 1 de portée de compétence, 13 d'XP, 2 de remont de propagation, 10 de précision et 6 de régène de mana. Oui, on peut parler d'un objet de qualité. Je pense que c'est un terme qui se justifie. Donc il faudrait que ce soit genre Chobiti qui le prenne. Par exemple à la place de ça. Et le bibelot de mana, est-ce qu'on le donnerait à Squash? Non, à Damned. Je pense que s'il avait pas eu ça, il serait mort pendant cette partie. Le boost de mana, du coup... Ouais. On va donner l'anneau de mana à John. On essaiera peut-être d'utiliser plus l'anneau météore. Ou les compétences de mana, parce qu'on a quand même 100 de mana avec lui. Hein. On va vendre nos objets gris. Ceux-là on va les garder au cas où on sorte un nouveau héros. On peut encore... Non, on est au max pour l'instant. On peut pas sortir de nouveaux héros, mais il y en a qui peuvent mourir. Hein. C'est pas non plus exclu. Donc, des défenses. Alors désormais, on a des pièges. Donc les pièges, on peut les foutre où on veut. Si un ennemi s'arrête dessus... Ah, ça c'est un peu gênant, il faut qu'il s'arrête dessus. Ça fait des dégâts. On a vu qu'ici, on avait du mal. On va en mettre quelques-uns. On a des zones à 3 ici qui vont arriver. Là ouais, c'est plutôt sur ce flanc-là hein, qu'on va avoir les grosses attaques. On va faire peut-être une petite tour de guet supplémentaire, je pense, ici. Pour avoir plus de versabilité parce qu'on voit qu'on galère. On va commencer par réparer nos murs.
ça va, on n'a pas trop pris, on peut faire un mur de plus. Ici on avait une porte, je crois, qui a disparu. Ouais, une porte, très bien. Un petit mur là, parce que ça va finir par péter à un moment. J'avais déjà réparé, hein. Oui. Ok, il nous reste de quoi mettre une balise seulement. Ah, fait chier. Je pense qu'on va la mettre là. Au moins elle pourra gérer cet angle là, là. Et du coup, on a assez pour l'améliorer. Il faut d'en faire une autre. Et bah du coup, il va falloir être temps de se déployer, hein, mais il va être temps d'arrêter l'épisode de VOD, parce qu'il est largement assez long. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à passer sur les lives pour voir la suite. Si dans le chat vous voulez dire au revoir à la VOD, n'hésitez pas, je bois une petite gorgée comme d'hab, et on s'arrête. Et ciao ciao tout le monde.